Étape de Saint-Lary, je suis avec Van Poppel dans l'échappée matinale, avec Westra qui lui est parti de son propre chef, avec 11 autres coureurs, et avec Van Poppel, je les ai laissés prendre un peu plus d'une minute d'avance et je suis parti. Le peloton m'a laissé partir, tout ça pour, vous l'aurez compris, marquer des points au maillot vert avec Van Poppel. Et d'ailleurs, je suis relativement surpris de la passivité des autres sprinteurs, des équipes de Kittel, etc., qui ne font pas grand-chose pour jouer le maillot vert, hein, parce qu'ils m'ont laissé partir en échappée avec Van Poppel. C'est relativement flagrant que c'est pour marquer des points uniquement du sprint intermédiaire, hein, puisque c'est une étape de montagne, il ne va pas faire grand-chose sur l'étape de montagne. En tout cas, là, on vient de prendre les 20 points. Et on augmente encore un petit peu notre avance à ce classement maillot vert avec mon jeune sprinter. On va se retrouver plus loin dans l'étape. À 1 km du sommet de l'avant-dernière difficulté, je suis avec Kelderman dans le peloton. Peloton de 23 unités simplement, le groupe des favoris un petit peu plus à l'avant, les échappés encore un peu plus à l'avant. Voilà un regroupement là de bon augure. Je suis avec le maillot blanc Pinot. Ils accélèrent un petit coup là devant, les Froome, Rodriguez, Contador, Valverde. Ben, c'est bon, on a le jaune pour passer à peu près avec eux, pour revenir avec eux dans la descente. On va se retrouver un petit peu plus loin dans le final. Et on se retrouve à 8 km de Saint-Lary, toujours avec Kelderman là, et le peloton des favoris, entre guillemets, puisque l'échappée n'existe quasiment plus à Geniez et Schleck. Le peloton de 11 coureurs avec le maillot jaune, et moi je suis dans le groupe juste derrière avec Pinot là, comme on voit, Roland. Ah là là, ils vont me gêner là. Je déteste ça, voilà, j'étais dans mon élan. Mollema, ils sont devant là, hein, pas très loin. Pinot qui attaque, d'accord. Allez, je mets un petit peu de grand plateau. J'ai peur. Ouais, voilà, j'ai peur que Froome au niveau du classement maillot à poids s'en empare, hein, quand même, puisque il a de très fortes chances de marquer beaucoup de points. Il va sûrement arriver dans les trois premiers. Allez, j'essaye de prendre la roue de Roland. Là, on va se consacrer à ce final, dernière ascension, à essayer de bien figurer au mieux, en tout cas avec Kelderman. Prendre du temps sur Pinot, ça me paraît délicat. Il est encore devant, à 6 km de l'arrivée. Et pour le maillot à poids, ça risque d'être délicat. Le maillot montagne, donc Froome à 9 points derrière, il va les récupérer. Un Contador aussi à 9 points derrière, attention. Riblon, Rodriguez. Et il y a quand même gros danger pour même finir dans les 3 premiers du classement maillot à poids, comme c'est son objectif annuel à Kelderman. Tout en sachant que de toute façon, pour remplir mon objectif de cette saison qui est d'avoir l'argent pour acheter Poels, je pense qu'on n'aura même pas besoin de cet objectif, hein, avec Kelderman, puisqu'on a déjà l'objectif annuel de finir dans les 5 premiers avec Van Poppel d'une étape, plus les 20 millions d'euros du sponsor, plus les points qu'on a grappillés, les millions qu'on a grappillés petit à petit sur les étapes en remplissant les objectifs d'étape. Je pense qu'on y est déjà, hein, pour aux 39 millions nécessaires à l'achat de mon futur leader, Poels. Mais bon, pour la forme et pour le prestige, je vais essayer de bien finir quand même avec Kelderman ici. Je vois Pinot qui n'est pas au mieux, hein. Il fait des mouvements d'épaule, mais il est encore devant. On n'est pas loin de ce groupe maillot jaune à 3,7 km, mais là, je ne peux pas encore me permettre de mettre le grand plateau. Ça paraît délicat. Là, il va y avoir un petit replat.
J'ai peur qu'ils accélèrent comme des fous. Ah oui, c'est un petit peu le cas. Allez, moi je mets le grand plateau aussi. Essayez de bien prendre ce virage, voilà. Profitez de ce plat qui ne va pas durer longtemps puisque ça va remonter. Ils sont pas loin, ils sont pas loin. Allez, je repasse le petit plateau, sinon on ne va pas finir. Là, je suis avec Kreiziger, Van Garneren et Isaac Guiré. Le groupe, il y a qui devant? Il y a tous les plus forts. Hein. Il y a Froome déjà, qui est bien en tête. Il a 1 minute 15 d'avance, d'accord. Sur Contador, Valverde, Rodriguez, Pino, Geniez, Nibali. Froome qui aura tapé un grand coup. Hein. En plus, avec le contre-la-montre de demain, il met toutes les chances de son côté pour remporter cette saison 4. Là, ça ralentit un petit peu au niveau du groupe des favoris à l'avant. Hein. Mais ils vont réaccélérer puisque c'est le dernier kilomètre. J'ai du monde derrière moi là. Froome qui s'impose largement, hein, je pense. Allez, à 900 mètres, on met le grand plateau. Devant qui on passe là? Andy Schleck, d'accord, un rescapé de l'échappée. Nibali, Contador, oui, c'est pas mal ça. Oula, Isaac Guiré qui fait le forcing là. Allez, moi j'accélère. Et on va prendre la 10e place avec Elderman, c'est honnête. À l'issue de cette dernière étape de montagne de cette saison 4 avec la Rabobank, Danny Van Poppel qui a conforté encore un peu son maillot vert par rapport aux autres sprinters en tout cas, puisque, comme on l'avait pu le voir au début de l'étape, il s'était glissé dans l'échappée et avait remporté le sprint intermédiaire. Ce sera tout pour les maillots distinctifs, hein. On a perdu déjà l'étape de la veille, le maillot blanc, ici on perd le maillot à pois au profit de Froome. Et donc on remplit quand même les objectifs d'étape, ça c'est bien. Et on va regarder un petit peu les résultats donc de cette étape de Saint-Lary, dernière étape de montagne de cette saison 4. Froome qui s'impose nettement, hein, vraiment nettement. Il est souvent mal géré, je trouve, par l'intelligence artificielle dans le jeu, mais là, il a quand même fait une démonstration de force. Plus d'une minute sur les autres, Nibali, Contador, etc. Pino, meilleur jeune de l'étape, finit en 7e à 1:41. Et avec Elderman, on finit 2e meilleur jeune et 10e de l'étape à 2 minutes 10. Ce qui va nous donner, au niveau du général, Elderman toujours 10e. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Par contre, on est sous la menace directe de Van Garderen, hein, avec le contre-la-montre qui va arriver à la prochaine étape. Je pense que le top 10 va être dur à maintenir. Hein. Oui, oui, oui. Bon. Le maillot à pois, on glisse à la 3e place. Bon, mais c'est bien. C'est bien dans le sens où on va remplir cet objectif. Il n'y a plus de poids montagne à distribuer sur cette saison 4. Donc, Elderman remplira bien son objectif de finir dans les 3 premiers du classement montagne. Pour le maillot vert, qui n'était pas un objectif annuel, mais en tout cas, on est à 100 points. Presque le double de Froome, 2e, qui t'aille encore plus loin. Le maillot blanc, on glisse donc à la 2e place derrière Pino. Enfin, c'était déjà le cas avec l'étape précédente. L'équipe, la Rabobank, 13e et la combativité. Isaac Guiré, 1er. Le meilleur chez moi, c'est Westra, qui part souvent tout seul, sans que je lui demande rien d'ailleurs. On va se retrouver pour le contre-la-montre. On se retrouve au contre-la-montre de Périgueux. Je suis avec Elderman au 2e temps intermédiaire. J'ai déjà 54 secondes de retard et là, 1:26 de retard sur Wiggins. Et je crois que derrière moi arrive, on va regarder tout de suite, Mollema, je crois, c'est un coureur de la Belkin. Je ne me rappelle plus exactement du classement général. Je sais que pour le top 10, ça va être dur de le conserver. C'est surtout Van Garderen qui me fait peur. Mais Mollema aussi, certainement, pour le coup, puisqu'il revient sur moi. Et il va probablement me dépasser, ce qui veut dire qu'il me reprend plus d'une minute. Et en plus, j'ai une barre jaune qui commence, et c'est normal, à avoir du mal.
Il reste 5 km. Plus que 5 km, c'est bientôt au bout. Il va falloir sûrement ralentir un petit peu. Il est où là? À Mollema, il n'a pas suivi là pour le coup. Allez, on s'accroche. Ouais, attention à ma barre jaune là. J'ai plus rien. Mais c'est la descente. Je relâche, non, j'en ai plus sous la pédale, non. Allez, c'est bientôt fini, ça descend maintenant. Encore trois virages, c'est terminé. Reste concentré. Allez, j'espère que le jaune va nous permettre de finir. On est toujours dans les 50 km/h. Ah non, là, j'ai plus rien, là. J'ai plus rien du tout. Allez, on va essayer de finir au sprint quand même. Mollema n'est pas revenu, finalement. Et on en finit avec ce chrono. Ce fut dur, hein. Mollema qui arrive. On est 82e à 2,21. Enfin, ça risque de faire mal, hein. Je pense qu'on va glisser facile à la deuxième place. Pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. On a toujours le maillot vert. Ça, c'est bon. Avec Van Poppel. Et donc, le classement de ce contre-la-montre contre Wiggins qui s'impose dans le même temps que Tony Martin devant Cancellara. Je ne vois pas Van Garderen dans les tout premiers, là. Voilà, il est à 57 secondes. Westra, c'est le premier chez moi, il a 1,25. Et Kelderman à 2,22. D'accord. Ce qui fait donc qu'au général, on glisse effectivement. Ah non, c'était Mollema était déjà devant moi, oui, n'importe quoi. Donc, effectivement, pour 30 secondes pile, Van Garderen qui nous dépossède de la 10e place. Dommage. On va se retrouver pour la dernière étape à Paris. À Paris, à 6 km de l'arrivée, avec le maillot vert d'Annie Van Poppel. On revient sur la tentative d'échappée du jour, Visconti. Il faut que je reste bien avec les trains des sprinteurs. Voilà, celui de Kittel, c'est parfait. Van Poppel qui va tenter une deuxième victoire d'étape sur ce tour. Dernier passage dans le tunnel pour le peloton. Il faut être bien. Je me suis laissé bien déporter là, sur le niveau du tunnel. Alors, Kittel est là, voilà, on est à 2,4 km. Attention, ils sont en train de partir là. On est avec Benati, ou je me fais coincer là. Je me fais coincer, c'est dommage. Kittel est devant et il lève les bras, il s'impose. Il s'impose aux Champs-Élysées, je me suis fait coincer, c'est dommage. Victoire donc de Kittel ici aux Champs-Élysées. On va passer les podiums de cette saison 4 avec le vainqueur Froome qui a quand même bien écrasé la concurrence. Il finit avec plus d'une minute 20 d'avance, je crois. Notre maillot distinctif quand même qu'on conserve avec Danny Van Poppel, le maillot vert. Suffisamment de points pour dominer ses adversaires. Maintenant, nous allons accueillir on a Froome également qui doit avoir le maillot toujours à poids. Présent aux avant-postes. On peut dire qu'il a marqué la course.
C'est bien ça. Et le maillot blanc Pinot qu'il a récupéré de Kelderman dans les dernières étapes de montagne. On va regarder ce que ça nous donne au niveau du bilan. Donc sur l'étape, on remplit les deux objectifs. On finit bien deuxième avec Kittel, avec Van Poppel derrière Kittel. Si on fait un petit récapitulatif des 7 étapes de cette saison 4, la seule victoire qu'on ait, c'est ici à Londres, la première, Van Poppel devant Kittel justement. Ensuite, Kelderman qui fait quatrième à la deuxième étape, l'étape de la planche des belles filles. Winning cinquième dans l'échappée. C'était l'étape de Rizou, je crois. Je ne sais plus exactement. Non, peut-être pas. Hein. C'était peut-être... Je ne sais plus. C'était laquelle, celle-là. Bref. Ensuite, Nibali qui s'impose à l'étape de Rizou. Ah oui, je peux regarder. L'étape 11 était Oyonnax, autant pour moi. Nibali qui s'impose à Rizoul, Froome qui s'impose à Saint-Lary, belle dixième place de Kelderman, Wiggins qui s'impose au chrono et Kittel qui s'impose donc à Paris-Champs-Élysées. Ce qui va nous donner donc au général toujours Kelderman 11e avec la victoire de Froome. On est 3e de la montagne avec Kelderman, on est 1er avec Van Poppel du maillot vert, les jeunes on est 2e derrière Pinot. La Rabobank qui finit 12e équipe. Et au classement de la combativité, Izaguirre. Chez nous, c'est Westra le 4e. On peut regarder donc le bilan de cette saison 4. On a bien rempli 2 objectifs sur 4. Dans les 3 premiers, la montagne avec Kelderman. Et dans les 5 premiers d'une étape avec Van Poppel. Ce qui nous fait 48,7 millions. Et donc, on va pouvoir aller, comme c'était prévu pour cette saison 5, s'acheter notre leader grimpeur hollandais, bien sûr, Poels de Omega Pharma Quick Step. Alors, il est où? Je crois qu'il est à 39 millions, hein, donc ça devrait aller largement. Le voilà, Wouter Poels. Donc, on va le prendre avec un 76 en vallon, 75 en montagne, 69 en chrono, endurance, résistance, récupération moyenne, et pavé 57, bon, pas terrible, hein, mais ça, on pouvait s'en douter, donc on l'achète, voilà, et on va pouvoir valider et entamer un tour complet, puisque là, il nous sélectionne 2, 4, 6, 7 étapes. Ah, ça change un petit peu, quoique. Sheffield, Londres, la planche de Belleville, Oyonnax, Rizoul, Saint-Lary, Champs-Élysées, oui. Ouais. Et on va tout prendre, hein. Voilà, tour complet. Suivant, on va changer Van Anbu, qui va céder sa place à Poels. Voilà. Et on a notre équipe Rabobank avec que des Hollandais non titulaires dans leur équipe au complet. On va pouvoir s'engager dans cette saison 5 qui va être la saison d'un tour complet. Je vous retrouve plus tard pour le début de ce tour avec la Rabobank.